Je m'appelle Perséphone. Je sais, ce n'est pas très moderne, mais le moderne est éphémère alors que moi, je voudrais durer. Pour ceux qui ne parlent pas couramment le grec antique, Perséphone est un prénom féminin, ce qui vous permet déjà de coller deux seins du tonnerre sur mon anonymat. Mon âge est sans importance, mais il vous aidera à mettre un visage sur mon nom. J'ai dans les 4302 ans et des poussières. Déesse des mondes souterrains, je suis celle qui cogite dans l'ombre et négocie à votre insu. Je prépare en hiver ce qui surgira en été. Je suis ce que personne n'a encore vu et ce que tout le monde demande à voir. Je vis caché et quand je sors, je crée surprise et confusion. J'ai toujours une saison d'avance, un peu comme Andy Warhol. Et puisqu'un portrait se passe rarement d'étiquette, je suis sans domicile fixe. Guenilles, ongles noirs, dents jaunes, cheveux gras, hématomes permanents autour de l'œil gauche, rhumatisme précoce, douleurs lancinantes dans les genoux à force de dormir dans des recoins si humides que même les rats n'y survivent pas. Ceci étant, si vous prenez mon statut social à la lettre, vous n'apprendrez rien sur moi. Les habitants du quartier me considèrent comme un objet encombrant, une pauvre fille, une moins que rien. Les plus sympathiques m'observent du coin de l'œil avec un soupçon de compassion. Ce petit air de dire « N'est-ce pas malheureux d'en arriver là ?» Les autres pensent que je suis folle. Éternel débat, qui est fou, qui ne l'est pas.